Le Parlement européen ne veut plus que les scientifiques mènent des expériences en laboratoire sur des animaux. Et ça, c'est une bonne nouvelle. En 2009, l'Europe a été le premier continent à interdire les expérimentations animales pour les cosmétiques. Mais malgré cela, 23,5 millions d'animaux sont morts pour la science en 2017. L'une des raisons, c'est que l'Agence européenne des produits chimiques continuait à exiger que les cosmétiques soient testés sur les animaux avant leur mise sur le marché. D'où l'urgence pour les eurodéputés de donner un nouveau tour de vis. Selon l'association Cruelty Free Europe, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont les trois pays qui utilisent le plus d'animaux en laboratoire, majoritairement des souris, des chiens et des primates. Le Parlement a donc demandé un nouveau plan d'action et des fonds destinés à encourager les méthodes alternatives pour tester les produits. Parce qu'aujourd'hui, il est possible de se passer des animaux de laboratoire grâce à des tests effectués en éprouvette ou par simulation informatique. Et toi, tu trouves que c'est une bonne nouvelle ?